Et donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Laser et on se retrouve pour la suite de Pandora. Voilà, tout simplement. Donc dans cette vidéo, on prévoit de se faire la troisième tour, parce qu'on en a déjà fini deux. On a prévu quelques trucs, enfin on a fait quelques trucs avec avec Céleste. Et maintenant, il est temps de s'attaquer à la troisième tour. Donc avant, je remercie quand même Arwing dans les coms. Parce qu'il m'a dit en gros qu'en appuyant sur Z, les informations, j'aurais dû... Enfin, je le savais même, mais le truc c'est que je zappais ça. Et maintenant en fait, vu qu'il m'a fait la remarque, je vais y penser, donc merci Arwing. Ça va être utile parce que, en fait, à chaque fois, je regardais à droite les informations, genre déplace utilisateur. Mais c'est pas très précis, donc quand tu fais Z, là t'as vraiment toutes les informations qu'il te faut. Et en plus, t'as les stats en bas quand c'est un équipement, donc là ça va vraiment m'être utile. Et il y a même un équipement rapide avec C, comme ça on peut s'en équiper, mais bon, j'en ai pas besoin. Ah, et on m'a dit dans les commentaires, quand on stocke quelque chose, c'est pas considéré comme équipé. Voilà, merci de l'information. Donc la bête dryade, en remettant la vidéo, j'ai compris que la bête dryade, quand il y a une icône à gauche, vous voyez que le dessin de la bête dryade, il y a du blanc autour, c'est-à-dire qu'elle est cassée. Donc ce qu'on peut faire, c'est la revendre à la limite, hein. Ça sert pas à grand-chose. Là, il y a la lavioque. Je te vends, hop. hop, il y aura un autre à vendre normalement. Ouais, on peut y aller. Alors, je réfléchis. Normalement, on n'oublie rien. Ce coup-ci, on est prêt. Ouais, non, on peut y aller. On va juste voir que. Ouais, non, non, je pense pas. J'aurais voulu aller voir si Céleste n'avait pas fini de faire des trucs avec ce que je lui avais filé. Mais je ne pense pas qu'elle ait fini. Bon, on va quand même voir au cas où. On a le temps, on est tranquille. On est en mode Pepper là. Ouais, c'est mode Pepper. On a le temps, mais de rien. Alors, ouais, elle a pas fini à part. Merde, non, non, mais si je fais retour, ça va pas le faire. Oui, je sais, alors. Ça fait bizarre de l'avoir parlé, enfin, d'entendre sa voix alors que la bouche ne bouge pas. Comme quoi, on voit qu'il y a vraiment des choses qui ont été grandement modifiées au passage dans les studios US qui s'occupaient de la localisation du jeu. Vraiment les Vostra étaient des marchands nomades. Ouais, faut voir en fait si les flash, enfin les visions qu'a Elena quand un mange un cœur, c'est quelque chose qui a un lien avec le passé de Mavda. Ou parce que maintenant j'ai un petit doute, ou du héros, parce que je sais pas, le héros il sort de nulle part, donc c'est vrai que c'est possible que ça ait un lien avec lui aussi. Donc, à ce moment, ça aura obligatoirement un lien avec soit l'un soit l'autre. On verra à ce moment-là. Voir si j'ai les bêtes de Riyad, je vais lui en faire une au cas où. Eh, vas-y, je vais lui enfiler plein. Ah, si ça me permet de booster mon infinité, ça je vais en profiter. Oui, prends, vas-y, prends-les. T'aimes ça, ça te fait du bien. Vas-y, ça t'excite, hein, les baies. Tiens, mange ma grosse baie. Ouais, voilà, ouais, ça fait du bien par où ça passe. Bon, voilà, comme ça remonte un petit peu ma jauge. Du coup, nous, on peut y aller. On n'a plus rien de prévu ici. Donc, ne perdons pas notre temps. En tout cas, maintenant, on voit qu'elle passe du temps à l'extérieur, hein, et pas qu'à l'intérieur. On débloque le... Pointe de la source. Oh, est-ce que ce sera un endroit congelé ou avec de l'eau? Je ne sais pas. En tout cas, on va y aller. C'est la meilleure façon de se faire une idée. Toujours ce point de vue qui met la tour en valeur. Pointe de la source. Est-ce que si je suppose qu'on aura encore deux chaînes à dégommer, voire trois peut-être? Ouais, apparemment ça a l'air d'être un endroit quand même, ouais, voilà, avec de l'eau. Oh, de l'eau qui est bizarrement modélisée, on va voir ça, hein. J'ai hâte qu'on s'en approche. Oh, il y a même de l'eau qui vole. Décidément, on n'arrête plus la technologie. Alors, avançons, je vous prie. Voilà, bon, on voit qu'il y a deux chaînes, parce que là, le mec tient deux chaînes, forcément, c'est le nombre de chaînes qu'il y a dans cette tour. À gauche ou à droite? Je suis droitier, donc je vais à gauche. Voilà. En espérant que cette vidéo sera quand même intéressante, on va essayer de rester pépère, hein, pas y aller en mode vénère et tout, on va y aller en mode relax. Il n'y a rien de ce côté.
Comme ça fera plaisir à Wapi. Voilà, je l'appelle Wapi parce que je l'appelle Wapi. Voilà, je suis le premier à l'appeler comme ça, donc on va continuer. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Alors bonjour à toi Wapi, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi aussi Roro, hein, j'espère. Oui Roro, il m'a remercié quand je lui ai dit, quand je lui ai demandé comment il allait. Donc maintenant Roro, je te demande comment tu vas. Voilà, j'espère que tu vas bien, passe une bonne journée. Voilà, oh. Ah, on peut tomber dans l'eau, d'accord. Bon, j'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Pareil que si j'appuie, voilà, au bon moment, en fait, on m'a expliqué, mais comme c'est quand j'appuie au bon moment sur le bouton, voilà, mon perso rajoute la technique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on lui prend? Me semble que c'est si on prend la tête. Ah non, non, quand on prend la tête, on a un croc, donc faut que j'arrive à cliquer sur le corps pour avoir le. Est-ce que je peux. Ouais, non, je peux pas le viser. Faut que j'arrive à cliquer sur le corps pour avoir une chair, parce que oui, je veux au moins me ramener avec une chair au cas où. On va essayer de lui faire mal d'ici. Je peux pas le faire tomber dans l'eau, ce serait marrant. Ah si, je peux. Je peux même pas tirer là, vous voyez. On le reverra pas de sitôt celui-là, hein, ça c'est clair. Là-haut, là, ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on peut s'y accrocher. Ça sert à rien. Je pensais genre ça allait tourner la roue. Si je lâche. Ouh, j'ai failli tomber dans le vide. J'ai bien fait de m'agripper sur les côtés. Bon, là, il y a un chemin, on va y aller. Waouh, du calme. Là, allez, hop, on y va. Plusieurs portes qui s'offrent à moi ou plusieurs chemins. Ouais, allez, je vais par là. Impossible d'ouvrir, on dirait que c'est verrouillé de l'autre côté. Ok. Bon, bah par là, voilà. Oh, pas la tête. Bon, attendez, j'essaie de faire plein de coups, mais bon, si je les fais pas sur l'ennemi. Oh là, waouh, ce sera pas utile. Enfin, je pense pas en tout cas. Tiens, voilà, voilà. Non, mais si l'ennemi tombe dans l'eau tout seul, ça va pas le faire quoi. Moi j'ai besoin de récupérer des trucs sur eux quoi. Chair de bête, ça c'est cool. Ah, mais ils peuvent sortir de l'eau, d'accord. Non, mais. Oh, les vilains pervers, ils commencent à avoir de nouvelles techniques. Eh oh, en fait, ils sont pas dans l'eau. Ils s'y cachent pour me sauter dessus. C'est pervers! Elle sait quoi, je vais les bloquer. Voilà, faut pas qu'ils aillent dans l'eau. Ah mince, je pensais l'avoir bloqué, mais en fait non, je l'ai attaché deux fois le même. Wow. Putain, je voulais faire une esquive, mais ça a foiré. Du coup là, je vais presque crever. Ah ouais, là, je suis obligé de me. Oh, je joue très mal, très mal. Là, on est. Oh là, oh là là, ouf. Là, je joue vraiment mal. Bon, attendez, faut que je me concentre. Concentration, parce que là, vu mes PV, je préfère me concentrer que de faire de la merde. Wow, laissez-moi passer. Putain, elle est crevée là, ils sont trop résistants. Wow. Ah, y en a un qui est mort. Oh putain, mes vies. Non mais. Attendez, y a pas moyen de récupérer des vies là parce que là c'est vraiment tendu. Là j'ai fait le con quoi. C'est vraiment tendu. Ah mais non, j'ai une pierre de sage sur moi, donc au pire si je crève, je reviendrai à la vie. Mais là, je joue très mal. Ah, je crois que comme ça, c'est clair. Voilà, bon, bah, je suis mort, putain. Ah, décidément. Oh fuck, j'y vais mal. Ah, hop, je joue mal, c'est parti. C'est ma faute. De toute façon, en même temps, ça peut pas être vous, vu que c'est moi qui joue. Tu commences à me saouler les ennemis. Ils sont vachement résistants. C'est le truc du jeu qui est choquant, c'est que les ennemis sont putain de super résistants.
le finis. Juste qu'il monte son cul. Le mec qui vient juste devant moi, c'est genre tue-moi, tue-moi. Voilà, tiens. Voilà, pas bouger. Maintenant, j'ai un peu. On va voir si quand on frappe plus fort, ça récolte d'autres choses ou pas. Ouais, non, ça change que dalle, apparemment. En même temps, logique, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Un éclair. Oh putain, oui, ça c'est cool. Par contre, attendez. Quelque chose dans l'eau là. Ouais, il y a quelque chose. Du mercure. J'ai bien fait de venir là. Hop. Des écailles solides, c'est cool. Enfin, je suis juste venu là pour des objets. Bon. J'aurais préféré trouver des choses plus intéressantes, mais c'est pas grave. Là, on va essayer de faire attention parce qu'il me semble que j'ai plus du tout. Oh putain. J'ai plus du tout d'objets de soins, donc ça va être vraiment tendu. Putain, ouais, non, mais si je tape dans le vide, ça va pas le faire. Hein. Non, mais par contre, eux, je crois qu'ils, quand ils tombent dans le vide, eux, ils en sortent pas. Hein. C'est, eux, c'est la mort. Apparemment, ils ont pas la capacité de nager. Ouais, ça dépend des monstres. Il y a des monstres qui nagent et qui nagent pas, apparemment. Allez, prends. Voilà. Bon, bah, il reste qu'une porte, du coup. Voilà, viens là, toi, je vais te faire les fesses. What the fuck? Oh là. Voilà, mode concentré. Allez, meurs! Putain, une bonne chose de faite. Ah mince, ouais, la chaîne est sur lui. Voilà. Je pensais à la récupérer quand je la mets sur un monstre. Du coup, on peut avancer. Il reste une porte, donc bon, c'est par là qu'on peut aller. Ça me paraît logique. On va essayer de bien jouer au passage. Ça, ça se casse. Ah non, ok, ça se pousse. Je suppose qu'on. Bon, voilà, c'est grillé quoi. On l'utilise pour. Non, mais. Faut la pousser avant de l'utiliser pour monter. Ça serait logique. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir grimper en haut. En même temps, tu vas pas grimper en bas, j'ai envie de dire. Graines étranges. Bon, ça, les graines étranges, apparemment, ça sert pour faire des. Pas pour créer des objets. Donc, bon, bah, on les gardera, on va pas les revendre. Même si, d'après ce qu'on m'a dit, plus tard, on sera plutôt serré niveau fric, donc on verra. En parlant de fric, on voit là. Ça me fait chier de voir que le héros ne sait pas nager, bon en même temps. Faut dire quand tu vois la lourdeur du truc, tu comprends que tu peux pas aller dans l'eau, c'est logique en même temps. Je ne réfléchis point, j'achète. À la gauche ou ouais, allez, on va là, par là. J'ai l'impression que les ennemis se prennent plus de dégâts quand je les envoie les uns sur les autres. Allez, casse-toi. Voilà, une bonne chose de faite. Rien de ce côté, donc on va de l'autre côté. Logique. Oh là, oh là, putain, je tombe souvent sans le faire exprès. En même temps, je vais pas tomber par plaisir. Hein. Logique que ce soit sans le faire exprès. Voilà. J'ai fait les fesses, ce petit gars là. De la une baie, est-ce que je l'utilise maintenant ou pas? Parce que j'avoue que ça me. Ouais, allez, hop. Parce qu'en plus les baisses s'usent, donc bon ça pourra toujours m'aider. Alors on niveau. Oh là attendez par contre. Petit coup de lag. Oula oh, oh. Ah décidément une tour pour le moment qui n'est point très passionnante ma foi. Bon là les ennemis on voit qu'ils commencent à ne plus, enfin à vraiment résister à mort, hein. ils peuvent se mettre à taper même si on leur fait des petits coups. Alors qu'avant il me semble que, oula, il fait des trucs chelous l'ennemi. Hein. Il me semble qu'avant il se la jouait quand même pas trop warrior hein, quand on les attaquait, même s'il y avait des petits coups ils réagissaient pas. Allez, caille solide, je prends. Tout ce qui est bon à prendre doit être pris. Ce que j'ai dit est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Alors, vas-y, on rapproche la caisse.
Par contre, je me demande comment on va faire. Parce que là, je rapproche la caisse, certes, mais le héros peut sauter. Même un minimum, ça me paraît très bizarre. Ouais, vas-y, ouais. Putain, bah c'est comme ça que je vais faire. Logique, regardez. Je monte sur la caisse, je l'attache et je l'attaque au monstre. Ah, je l'attache au monstre, comme je disais. Voilà. Allez, attire-moi. Bon, je peux essayer de sauter si... Ouais, ça passe aussi. Allez, tombe, voilà. Bonne chose de fait. Je sais pas si celui-là peut se nager, mais on verra bien. De toute façon, pire, si on le voit sortir de l'eau, on aura compris. Alors, source de la porte. Une foule d'ouvriers s'est rassemblée pour assister à la mise en marche de la roue à eau. L'ouverture de la vanne du niveau supérieur déclenche lentement la levée du barrage. Je suppose qu'on va l'utiliser. La vision est impressionnante. Les portes mécanisées et le système de fabrication d'armes sont tous conçus pour être alimentés par la roue. Ce qui en fait un élément central du bon fonctionnement des 13 tours. Les cordes de soutien attachées aux barres sur les côtés ont bougé lentement tandis que l'eau tombait dans le fracas du tonnerre et que la roue commençait à tourner. Les ingénieurs ont poussé des cris de joie en voyant ce succès. Nous allons sans doute le fêter jusque tard dans la nuit. Ah, donc des mecs de l'armée ont carrément fait des modifications dans la tour, si j'ai bien compris, parce que ça, c'est des choses qui n'étaient pas de base dans la tour, la roue à eau. Bon, ça me paraît bizarre quand même. N'empêche, c'est bien ces livres, ça nous permet d'en apprendre un peu sur le background de la tour, c'est cool. Dommage que les boss n'aient pas un... Enfin, pour le moment en tout cas, les boss n'ont pas un background aussi poussé. Parce que bon, ils nous disent leurs points faibles dans les trucs, certes, mais après c'est tout. Ah, level up, ça c'est cool. Allez, vas-y, hop, file-moi de la chair. Bon, je suppose que quand il y a des effets rouges comme ça sur moi, c'est que j'ai un malus. Hein. Genre, par exemple, là, je sais pas ce que ça fait exactement. Peut-être que ça peut moins fort, aucune idée, hein, mais bon. On comprend vite que c'est un malus. Là, on peut aller en haut. Ouais, bah non, en fait, on fait le tour. Là, ça sert à quoi de se lâcher? Parce que je vois qu'il y a une pierre pour retomber. Voilà, mais ensuite, on va descendre. Ouais, non, c'est juste un petit raccourci. Donc, aucune utilité. Ouais, rien de ce côté. Encore... Bah bon, on aurait pu prendre carrément le truc. Là, ils auraient dû faire en sorte que l'escalier soit pété. Ça aurait pu être beau visuellement, et puis ça nous aurait fait utiliser ce coin d'agrippe. Enfin bon, c'est pas non plus la mort, après, ne pas avoir de trucs comme ça, c'est bien. C'est genre, tu choisis ton chemin, c'est... Ouais. Ah, qu'est-ce donc? Ils mettent bien en avant cette porte, on se doute qu'on va devoir y aller, dis donc. C'est pas ce qui nous est le plus important pour le moment. Oh là, attendez, c'est... Putain, matez les... Attendez, revenez. Reviens, s'il te plaît. Voilà. Matez les effets de l'eau qui coule sur la poutre, c'est magnifique, putain. Oh là, voilà. Là, on peut pas y aller. Waouh, putain, c'est chiant par contre, ces changements de caméra comme ça, c'est... Wouh! Petit temps d'adaptation, là... J'ai bien envie d'essayer de m'accrocher là parce que je sens que c'est ce qui... Mais je vois aussi qu'on peut se coller au mur, apparemment. Voilà. C'était grillé quand même. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a dans le coffre là-bas. Surtout, je crois que c'est un coffre qu'il faut qu'il s'ouvre carrément. Il n'y a pas des masses des comme ça. Enfin, c'est plus rare que les... Les objets banals, quoi. Que tu trouves dans des boîtes que tu pètes. Est-ce que c'est une nouvelle... Double lame. Oh. Attendez. Comment ça s'équipe? Je suppose, ouais, voilà, double lame. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut... Ah ouais, ok, quand tu t'équipes de double lame, ça met dans le stock... ok, en fait, le stock c'est créé pour les armes, je suppose. Mais ça m'étonnerait qu'on ait autant d'armes qu'il y ait de points dans le stock. Donc bon, on voit qu'on perd un peu en attaque, apparemment, par rapport à l'épée, mais bon... En même temps, l'épée était boostée. Hein. Ça va nous permettre de tester la double lame. Ouais, déjà, je me sens un peu plus rapide avec. Hein. Bon, on va la tester pour le moment. On la garde. C'est quoi ça? Examinons. Il y a une grosse poignée. Pour la tirer, déclenchera certainement quelque chose. Bah, tirons-la. Ah, ça va sûrement faire passer de l'eau dans le courant. Comme ça, la roue se remettra en route. Ah non, apparemment il manque quelque chose avant de passer sur le... Enfin, pour la mettre en route. Du coup, on passe de l'autre côté. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Et on a la pêche. Faut sûrement descendre là en fait. Allez, voilà.
Oula, bon, premier coup de pendule. Là, pour nous montrer que le temps passe. Ah, un médicament, ça c'est bénef. Non. Comme ça. Bon, là pour le moment c'est cool. Là, apparemment, c'est un chemin qui mène vers la chaîne. Enfin, une des deux. Mais on va pas le prendre tout de suite. D'abord, on va voir si on peut pas finir d'ouvrir le courant. Parce que je pense que ça nous fera un. Comment je vais monter là? Mais je pense que le courant nous fera un raccourci en fait. Hein. Enfin, ça me paraît logique en tout cas. Hein. Vu qu'on pouvait s'accrocher à la. Ah, là il y a un truc. Une information. Vu qu'on pouvait s'accrocher à la roue, à mon avis, c'est pas pour rien. Quand le courant sera remis, on pourra aller plus haut directement. Un grand volume d'eau coule constamment ici à la pointe de la source. L'armée prévoit de maîtriser la puissance de cette eau en construisant un énorme roue à eau. C'est déjà fait ça. Selon les données fournies, il y a quelques jours, la roue à eau serait construite par un morceau et apportée ici par une équipe d'ingénieurs d'Helicon. Dans le même temps, des voies d'eau seront construites entre les tours, la puissance transférée de la pointe de la source. Ce projet est une force de travail considérable. Voilà de nombreuses années que le projet existe, mais il va enfin devenir réalité. J'ai jamais travaillé sur un projet d'une telle ampleur. Je prie pour que nous réussissions à créer quelque chose, nous pourrons être vraiment fiers. Ouais, on voit qu'apparemment ils voulaient créer, enfin utiliser l'eau dans. Je sais pas si c'est juste dans cette tour là ou carrément dans toutes les tours. En tout cas, dans cette tour là, ils ont réussi. Dans les autres tours, apparemment non, vu qu'on n'a pas de roue à eau dans les autres tours qui nous permettent de, voilà, quoi, de se faire des petits raccourcis. Je sais pas à quoi ça sert ces trucs d'agrippe là. Ok, on pourrait tester. Hein, là, là. Ok, on peut pas en fait. Alors, là, une fontaine qui est vide. Les fontaines vides, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on pourrait les enclencher plus tard? On verra. Hein. Ouais, je vérifie bien qu'il n'y a rien, pas de trucs qui sur les murs ou quoi, donc on peut avancer. Voilà, et comme je l'ai dit, là, il y a le truc qui va nous permettre de, je suppose, enclencher le courant. Voilà. De l'eau, je vous prie. Yeah, nous les raccourcis. Ah, en plus ça enclenche la porte. Pour le moment on va prendre hop, la roue. Et on va retourner du côté où j'ai vu la porte tout à l'heure. Par contre faut que je trouve où est-ce que je dois m'approcher. S'il vous plaît. Attendez, je peux pas m'approcher là-haut. Eh oh, oh je veux. Ah ça m'amène de l'autre côté, bah c'est quoi? On tombe. Oh là, oh calme-toi toi. Non mais pas de son côté. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors normalement là, si je m'accroche à la roue, il y aura moyen que je remonte là-haut ensuite. Allez, accroche-toi. Voilà, on n'a plus qu'à rester accroché. Wouh, sympa ce petit tour en roue. Bon, par contre, faudrait que je trouve un quoi pour m'accrocher, ce serait pas mal. Moi, je suppose qu'il y en aura un, parce que vous vous rappelez que sur les murs, là, il y avait des roches un peu défoncées. Hein. Je suppose qu'on pourra s'accrocher là. Si on les voit, évidemment, voilà, ce serait bien. Nickel. Du coup, maintenant, on descend. Voilà. Et là, on va se débarrasser de la première chaîne. En fait, j'aurais dû faire la chaîne en premier. Hein. Ah oui, elle était juste là en plus. Moi je pensais qu'il y aura des salles et tout avant, mais non, il y a juste la chaîne là. Bon, par contre, des ennemis à combattre, ça c'est nouveau dans ces salles là. Hein. Bon, je suppose qu'on en aura plus souvent maintenant, donc on va essayer de faire plus attention. Maintenez B et appuyez sur A quand la luminosité du coup est au max pour tirer jusqu'à 5 fois sur la cible. Et je dois vous avouer ne pas avoir compris. Attendez, maintenez B. J'ai pas pigé, waouh! Ok, je comprends. En fait, en visant, il y a moyen de taper plus fort avec la chaîne quand ça les accroche. Attendez, je vais retester.
cas, pour le moment, on va l'accrocher. Voilà, bon, c'est bien, c'est qu'ils viennent pas tous en même temps, sinon je serais dans la... Oh là là. Sinon je serais dans la merde. Ou alors c'est juste quand je reste sur le côté de l'écran qu'ils osent pas venir, je sais pas pourquoi, il y a peut-être une limitation. Voilà, bon, on voit que ça leur fait super mal quand je tape la tête. Je pense qu'à mon avis, ils ont des points où ça leur fait plus mal qu'à d'autres. Ce serait logique. Allez, allez, rouille-toi, rouille-toi. Voilà, 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 voilà. Ah, attendez. Oh, putain, c'est chaud, ces changements d'angle de caméra là, c'est un peu relou. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est les angles de caméra qui sont assez spéciales parce que c'est perturbant, on va dire, de tout le temps changer d'angle comme ça. Regardez, je veux dire, vous voyez là, il est carrément, putain, hors de mon écran, j'ai du mal. Ça s'accroche à son truc, regardez, parce qu'on voit en fait le coin où on peut s'accrocher, c'est ce qui vient le plus. Là par exemple, c'est sa main. Mais c'est spécial, hein, j'ai du mal à comprendre le principe, le principe, on va dire. Bon, c'est quoi, on va y aller parce que là je perds du temps à essayer de le taper bien. J'aime bien en tout cas la double lame, une arme rapide, efficace, c'est cool. Wow, 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 ah lui, il a, ouf, il a des trucs, enfin, vu qu'il est plus balèze, il peut nous tirer avec la chaîne, c'est pas cool. Bon, on perd du temps dans cette salle, donc on va se grouiller de lui faire les fesses. Allez, meurs, hop. Aïe, 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 ok, putain, il nous a cassé la chaîne en fait. Il me saoule ce monstre. Mais ce qui me saoule surtout en fait là, c'est les angles de caméra qui changent, du coup j'ai du mal à viser. Voilà, fou! Alors du coup, on va lui prendre la main. Voilà, bon, chair de bête, hein, j'aurais pas dû prendre la main. Voilà, maintenant il est temps d'aller à la vraie salle. Ouais, non, en fait j'avais raison, c'était pas la salle principale de la première chaîne. C'est juste une sous-salle. Et là les tours commencent à être vachement longues. Et comme quoi je pense vraiment que dans les salles principales il y aura jamais de monstres. Enfin j'espère. Voilà, putain. Non, sérieusement, ces angles de caméra, au début ils étaient bien choisis, mais là ça commence à être un petit peu mal choisi. Je sais pas si sur la capture vous vous en rendrez compte, mais... Ouais, chaîne restante. Mais quand ça change l'angle de caméra, logiquement, c'est logique justement, ça change aussi l'angle dans lequel faut pousser le joystick pour avancer. Du coup, ça, c'est perturbant. Pour vous, Galina porte bien. Voilà, et ça, ils nous disent ça à chaque fois pour qu'on pense à retourner la voir. Je suppose. Ah, that's it. Yes. Nice job, Elena. Wow, 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 les ennemis ont hip-hop, ok. J'ai quand même envie de les taper, yeah. Mais c'est tout, on va pas non plus faire le malinois. Hop, bon, par là on peut pas y aller forcément, c'est pour la fin du jeu. Enfin, on aura fini le jeu une fois. Voilà, rien de plus à faire ici, du coup on va se dépêcher. On aura peut-être le temps d'enlever la deuxième chaîne, mais je pense pas qu'on aura le temps de se faire un autre un boss. Je pourrais à la limite aller le voir pour le fun, mais ce sera tout. Là j'ai peur, ah non, je vais tomber trop. Voilà. Sinon la voix anglaise, ouais, apparemment on entend à chaque fois la voix anglaise durant ces phases où on est dans la tour. Peut-être que c'est un passage du jeu où le mec n'a pas pu mettre le dub, bizarre. Mais bon, au moins ça permet un peu de se faire une idée sur les voix anglaises. Dommage que ce soit juste la voix de Elena qu'on entend. Voilà, wow. Wow, j'ai fait un truc de ouf là.
Je me suis attaché sans le faire exprès, en fait je me suis détaché, du coup ça m'a amené la tâche du dessous. Bon bah écoutez, du coup on va monter à l'ancien. On va monter par les escaliers. Ah, enfin pour ça il faudrait qu'il y en ait évidemment. Du coup bah on va reprendre la... Allez! Alors, wow, wow! Ah, ça baisse mon attaque en fait quand il me fait ça. Parce que regardez en bas à gauche, on voit mon statut. Et mon attaque est baissée. Putain, ça sort pas de l'écran, s'il te plaît. Tiens, mort, mort. Les cailles solides, c'est cool. Du coup, alors on se dépêche. Là, je suppose que bien évidemment... ouais, allez, ça va passer. Nickel, allez hop. Par contre, ce qui risque de mal passer, ce sera ma barre de vie. Là. J'espère qu'Elena a fait tout ce que je lui ai demandé. Hein. Enfin, tout ce que je lui ai filé, qu'elle les a utilisés pour faire des objets, parce que sinon, je suis dans la merde. Non mais, mets-toi bien. Ah, c'est chaud de savoir le bon sens où faut pousser le joystick là. Ok, bon, rien là-bas, je pense pas en tout cas. Allez, on y va. Je veux au moins... Non mais, j'étais trop près de la porte, du coup ça m'a renvoyé derrière. Je pense qu'on a quand même le temps de se faire la deuxième chaîne. Je sais qu'on n'ira pas jusqu'au boss, mais je sens que la deuxième chaîne, ça peut le faire. On sent les battements de cœur de Iron quand il n'y a plus beaucoup de vie. Sympa. Donne-moi ton arme. Voilà. Oula. Ah d'accord, le mec qui veut absolument récupérer son arme. Wow, wow, wow! Tiens, voilà, tu bouges pas et tu me laisses te taper. Voilà, j'ai l'impression qu'il crève plus vite avec les doubles lames. Peut-être parce qu'il tape deux fois, je sais pas exactement comment ça se base. Mais il a l'air de taper plusieurs fois, donc il se prend le double de dégâts. Enfin, moi je réfléchis comme ça en tout cas. Alors, il faut que je récupère la chaîne, voilà. Allez, on s'attaque au bras. Ouais, non, ça lui a pris le corps, bon, c'est pas grave. Là j'aurai un max de chair donc aussi un max de fric, c'est cool. Vitalium, ça fait quoi? Un remède naturel qui augmente le niveau d'énergie et soigne les blessures. Restaure régulièrement la santé. Régulièrement? Ça m'a l'air quand même assez rare. On va éviter de lui... On va voir. Peut-être qu'on est bientôt à la salle de la chaîne. Mais si je suis pas à la salle de la chaîne bientôt, je vais devoir... Oh putain non, c'est bon. Ouf. Ah la sauver. Hein, c'est tout? Ah oui, il faut vraiment en prendre à fond de l'eau, hein. Je sais pas si ça nous fout pas un truc, enfin un malus ou quoi, d'en prendre de l'eau, parce que c'est bizarre quand même qu'il faille le faire plusieurs fois. Que ça aille à coup par à coup. Enfin bref. Casse-toi, voilà. Alors, source, mon poisson. Les gardes qui patrouillaient avaient l'air de s'ennuyer, alors j'ai décidé de leur montrer les poissons sur lesquels je fais des recherches. Il fallait voir leur pâleur quand ils ont aperçu le monstre. Comme je voulais les étonner encore davantage, je leur ai expliqué un peu sa puissance extraordinaire, sa vitesse de nage, la force de l'eau qu'il crache. Alors, l'un des gardes a dit « C'est bien gentil tout ça, mais si vous le sortez de l'eau, il se retrouve sans défense. » Les autres ont ri, se moquant de mon enthousiasme. Je leur ai demandé s'ils voulaient tenter l'expérience et ils ont vite arrêté de rire. C'était un très bon moment, je me suis bien amusé. J'ai hâte de pouvoir à nouveau montrer ce poisson. Ok, il est un peu sadique le mec. Bon là, la salle où on voyait l'eau qui est vachement classe et qui monte, putain. Ah oui, voilà le poisson dont il parlait je pense. Je pensais qu'il parlait des monstres mais en fait non, il parle vraiment d'un poisson à part. Et apparemment il se démerde aussi bien hors de l'eau que dans l'eau. Donc on va, oh, on va pas faire notre malin. Parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Il faut que je me dépêche de trouver Elena. En attendant, moi je serais plus à l'aise hors de l'eau que dans l'eau. On va se grouiller de la tirer. Waouh, il envoie des bombes.
J'ai bien vu le truc aller vers moi, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, ok, faut s'attacher à ça. Bon, attendez. Avant les coffres. Allez, reviens le poisson. Il me fait flipper, j'aimerais bien m'en débarrasser quand même, mais bon. Rien étrange, ok. Wouh, je l'ai évité ce coup là. Bon, on fait le tour de la salle voir s'il y a rien, mais apparemment il y a rien, donc on va monter. Allez, monte, putain, fuck. Pas de bol pour le coup. Ah voilà, là on monte, nickel. En espérant que le poisson ne peut pas m'attaquer. Parce qu'il a l'air assez agressif ce bâtard. Ok. Ah, attendez, il y a des coffres là-bas. Il est venu me gêner en pleine descente quand même, le poisson. Waouh. Ok, je suis mort. Et là, par contre, j'ai pas de truc pour mordre vie. Merde. Ça m'apprendra à faire le malin. Dernier point de sauvegarde. Dernier point de sauvegarde. Oh, ça va, ils sont gentils. Putain, ouais, non. Ils sont vachement sympas, les mecs qui ont fait le jeu. Parce que nous ramener ici, c'est... Ouais. Ah, là, on est protégé normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a à récupérer? Hop, hop. Éclat divin, ça c'est cool. Un maître de la source, j'ai un rapport de recherche. Maître de la pointe de la source, mouvement de chair du maître. Ce maître peut déplacer sa chair du maître d'une partie de son corps à l'autre. Ah, apparemment le maître du donjon aura la possibilité de déplacer son point d'attaque. Enfin, le point que nous ferons en attaque. Grâce à une fissure organique se protégeant ainsi contre les adversaires. Ses capacités de contre-attaque depuis les organes arrondis situés sur son corps est capable d'envoyer des puissants jets d'eau sur tous les ennemis qui l'approchent. Il dispose également d'organes capables d'expulser une écume toxique qui affaiblit les ennemis qu'elle touche. L'observation de cette forteresse vivante est très intéressante. Hâte de le voir ce monstre. Hein. Attendez, faut que je trouve un point où on peut s'accrocher. Ah, il est là. J'ai réussi. Maintenant, faut que je trouve un autre endroit où m'accrocher. Parce que c'est bien, mais si le poisson me gêne encore, ça va pas le faire. Hein. Allez, on se dépêche avant qu'il arrive, le poisson. Voilà. Alors, il faut que je trouve la salle de la chaîne et vite. Putain, on est en extérieur, ça c'est classe. Là, on voit que les tours commencent à devenir vraiment grandes. Ah, la chaîne est sur la gauche. Ah, excusez-moi. Donc voilà, relais gens. Désolé, petite interruption. Du coup, je ne sais plus où on a. Ah oui, c'est vrai, j'en étais là. Justement, je voyais qu'il y avait la chaîne qui passait. Donc on va se dépêcher. Hein. Là, je gruge. On en est. Enfin, moi, j'en suis à 46 minutes de record. C'est parce que j'ai recordé en même temps tout le temps où je n'étais pas là. Voilà. Mais ça, ce sera. Il y aura une copie au montage là, parce que vous inquiétez pas. Je vais pas vous laisser 6 minutes sans rien. Alors attendez. Putain. Failli tomber dans le vide. Alors, il faut que je trouve un moyen d'aller là-bas. D'accéder à la salle qui est là-bas, comment je vais faire? Y a pas moyen en sautant! Oh putain! Oh putain, là j'ai failli crever d'auteur, je crois. Je dis bien je crois parce que je ne suis point sûr. C'est vrai quoi, il faudrait que je trouve une pierre, genre celle-là là. Voilà, elle. Wop! Accroche-toi! Voilà, putain, c'est un peu chiant avec les poissons. D'ailleurs, ça me fait un peu flipper qu'ils sautent là. Ah voilà. Moi, les poissons, je ne les sous-estime pas, personnellement. Bon, j'ai rien contre les poissons en général, hein, mais bon, juste ceux-là, hein, je fais gaffe. Genre là, par exemple, ça me ferait chier qu'il m'envoie un geyser, parce que je sens que ce serait possible. Mais bon, normalement, juste derrière cette porte, il y a la chaîne. Donc, pas de problème, on arrive. Voilà la chaîne, hop, 1, 2, 3, 3 petits chiens, 3 villes, un petit frépon, une nuit sans un bruit, oh, sont entrés dans ma maison. Ce qu'on rigole, dis donc. Sourire. Putain, je passe pour un mongol, mais c'est pas grave. Donc voilà les gens, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se barrer d'ici. Les éclats d'ivage, j'en ai 3, c'est tant mieux, parce qu'on est parti. Ah, je peux pas utiliser ici, ok, faut sortir. Donc comme je le disais, parce qu'on est parti, hop là. Allez, on va se grouiller quand même d'aller guérir Hélène, parce que là, elle devrait être un petit peu transformée logiquement.
Ouais, voilà, on voit que c'est. Je sais que je devrais éviter de venir quand elle se transforme, mais bon, je pense que c'est pas trop grave quand on vient quand elle est comme ça. Voilà, c'est pas la mort. Alors, dépêchons-nous d'aller la voir. Ouais, voilà, là ça passe encore. Regardez, ses tentacules sont toutes petites. C'est pas problématique. Mais c'est gore le fait qu'à chaque fois ils appuient bien qu'elle vienne nous saluer. Putain, on va se rouiller de leur rendre son état normal. À chaque fois ils appuient bien le fait qu'elle vienne nous saluer. Avec. Transformé quoi. C'est un peu dégueulasse, enfin bref. Alors du coup, attendez, c'est quoi la meilleure chair de bête? Viande repoussante arrachée aux bêtes qui résident dans les tours. Encore un bébé sans cette viande. Jugule fortement la malédiction. Jugui. Oh là, bah nouveau mot à apprendre en français, tiens, c'est toujours bon. Jugui. Bon, je suppose que c'est pour dire que ça, on s'en débarrasse bien, donc tiens. Hop. Bon, fais pas genre, t'aimes pas ça, hein. Alors, du coup, on se réveille. Bon, voilà, l'autre qui vit pionce. De bon repos. Hop, alors attendez. Ma Wiimote qui s'est emmêlée dans mon micro. Voilà. Donc, savoir une chose, à mon avis, c'est que si cette scène où on la voit se faire violer mentalement par la malédiction quand les démaudites là, quand elle se transforme, avait été faite par des Français, à mon avis, ça aurait donné quelque chose comme ça. Mais enfin bon, heureusement les Français ne font pas tout parce que sinon on serait dans une belle merde. Du coup, pendant le cadre, on va en profiter pour aller voir ce qu'elle nous a écrit. Putain, il y a du sang là. Merde. Oula, c'est bizarre qu'il laisse du sang comme ça. C'est pour bien appuyer le côté dégueulasse. Je pense qu'elle aura nettoyé à mon avis quand elle se réveillera. Alors attendez, j'ai un Ulture là. Sur la chair de bête, la capacité de la chair à tenir la malédiction à distance ne dépend pas de la quantité absorbée. Si j'en consomme un morceau, je retrouve ma forme humaine. Plus elle est proche de la chair vivante, plus elle est puissante. De cette manière, je conserve pour longtemps ma forme humaine. Loin des tours, la chair sèche ne peut donc pas être conservée dans le coffre. Mavda achète tout morceau de viande en surplus. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle en fait. Putain, j'avoue que ça c'est pas cool. Qu'est-ce qu'elle peut bien en faire, cette conne? Oh, merde, je me demande si on la prendra un moment ou un autre. Et là, par contre, j'ai l'impression que ma barre à gauche, elle a vachement baissé. Il va falloir vraiment que j'arrête de venir quand elle est transformée. Il ne faut pas. Il y a encore un message là-haut. On va aller voir. Là, à mon avis, je vais devoir faire un max de farming sur Elena en vidéo. Hein, parce que... Il y a de nombreux livres et d'autres documents. Ça, sont très anciens. Cela doit valoir la peine de les garder avec soi. Cela vaut la peine de consulter le document. Ok. Plus rien. Ouais, c'est bon. Donc, on va faire un tour à la cave vite fait. Allez, hop. De toute façon, après je virerai le surplus de la vidéo. Allez hop, d'abord on se débarrasse de ce que je n'ai pas besoin. Le panacée, garer toutes les blessures, ça je m'en fous. Médicaments, je garde. Vitalium, ça je range. Ça j'en ai pas besoin de deux. Voilà. Voilà, grands os, pareil. Croc de bête, il est cassé donc je vais le jeter. Ça sert pas d'équipement. Ah, sinon, quand ça sert d'équipement, voilà par exemple, comme les crocs de bête, il y a une icône à gauche, on le voit. Hein. Voilà, vous voyez là, c'est comme elle est cassée là, ça fait moins 10. Chair de bête, ça pas besoin. Attends, j'en ai 6, je vais me faire un max de bling bling. Ouais, on peut pas les ranger dans le coffre. Les armes annexes, enfin bref. Du coup, ça prend forcément une de place chaque arme dans le coffre.
Allez hop, on va revendre notre viande. Quoi que je pourrais la filer à Elena. Histoire justement qu'elle reprenne son. Enfin, que la barre soit à fond à gauche. Voilà, on fait un petit tour. Ouais, il n'y a pas de pigeon, rien. Ah, si, voilà, il y a un pigeon qui nous file une baie. Une baie cassée en plus, c'est sympa. Tour à la cave, et ce sera tout. Ce sera tour, même, je dirais plus. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Bon, moi, bon, comme ça, c'est clair. Je vais tirer. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est dormir jusqu'à ce qu'elle se réveille. Maintenant qu'elle a mangé, nana, dormir jusqu'au réveil d'Elena. Ah, il est 19h, putain, elle se réveille tard. Ah oui, c'est vrai, toutes les pages qu'on m'a demandé de traduire. Alors juste, offrir un cadeau. Mince, non, je... Ah, je peux pas lui filer de chair. Ok, bon bah... Faut vraiment qu'elle soit un minimum en cas critique pour lui enfiler. Bon bah, au moins, c'est bon à savoir. Alors toi, du coup, je vais te la revendre. Ah, me sert à rien. 120, putain, Radin. Oh, c'est bien, elle me file le truc, j'avais zappé ça. Par contre, les lectures, elle lui reprend cher, hein, putain. Alors améliorer. Il faut que je choisisse à mon avis parce que Misa m'a dit je vais pas pouvoir utiliser. Enfin, il faut que je booste une arme. Les autres, je m'en fous. Donc entre l'épée et la double lame, personnellement, je pense que moi, je suis plus du genre à utiliser une double lame. Putain, ça me prend une amethyste et une mercure. Bon, le mercure, je m'en fous, mais l'amethyste, ça me paraît plus rare. Je pourrais au moins l'amener jusqu'au niveau 2. Niveau 3, je pourrais pas parce que j'ai qu'un amethyste et un diamant, et il nous en demande 2 pour les levels, mais enfin bref. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Voilà. Voilà, pour le moment, en tout cas, pour le moment, oula, j'ai dit deux fois pour le moment. Mais pour l'instant, j'ai envie de me focaliser sur la double lame. Peut-être qu'après, je prendrai l'arme suivante, mais en tout cas, là, je veux la double lame. Ouais, non, ok, on peut pas parler de façon... importante apparemment. Alors on va acheter ah, une ceinture, ça je prends en urgence. Voilà, et je vais la filer pour augmenter mon sac maintenant. Ensuite on s'arrêtera là, hein, parce que la vidéo est assez dure comme ça. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait? On va lui parler maintenant. Ok. Cette fête de la récolte était ma première occasion de me rendre. Ouais, elle commence à se répéter. Hein. Ah, attends, elle dit que c'est la première fois qu'elle se rend à Helicon. Donc c'est probable en fait qu'elle fasse pas partie des habitants d'Helicon, mais que comme Aeron, en fait, elle vienne d'une autre tribu. Ah, j'avais pas pensé à ça comme ça, c'est probable. J'avais pas mal, j'aurais causé pas mal. Ça, on elle commence à dire des choses qu'on a déjà lues, hein. En temps un peu logique. Alors je te file juste ton... la ceinture de cuir. Mets-la moi s'il te plaît. Hein? Ah. Bon bah au moins elle me le prend, c'est le principal. Métal de qualité, info agrandit le sac. Bon bah on va tester quand même. Un trou ici, oui, le gros trou. Ouais. Merci. Hop, hop, et je te file en cadeau. Attendez, je lui ai pas acheté. Ah bah non, je lui ai pas acheté de fleurs au final. De toute façon, il me semble pas qu'il y en avait. Putain, là j'ai un coup de lag. Ma barre à gauche a vraiment. Enfin, mon flux à gauche a vraiment pas l'air haut. Hein. Je crois que pour le moment, je suis en train de fail la mort le social link. Mais là, j'ai compris comment ça marchait. Donc maintenant, j'ai rempli des trucs. Hein. Dès que j'atteins le violet, faut pas que j'insiste. Même pour une chaîne ou quoi. Faut vraiment que je m'arrête là. Au moins maintenant, je le serai. Voilà, c'est des plus grosses erreurs quand on apprend mieux dans la vie comment s'en sortir. Hein, comme on dit. Du coup, bah, je vais m'arrêter là.
voir si j'ai rien d'autre à ranger. Enfin, les trucs cassés, je peux les revendre. Ou le réparer, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, voilà, elle me la reprend un. Je l'ai tilté après que j'ai vendu, donc ça ne servit à rien, mais c'est pas grave. Ouais. 15 de... Ouais, vas-y, 15, c'est que dalle. Limite, tu peux la réparer et la revendre plus cher ensuite, quoi. Voilà. Par contre, créer... J'ai pas compris si c'est créer à partir des matériaux qu'on a déjà, prendre des matériaux qu'on a déjà pour le doubler en plusieurs fois si on a les trucs qu'il faut, ou si on peut créer des matériaux qu'on n'a pas. C'est une question que je me pose, enfin bref. Dans tous les cas, là, je voulais vendre. Voilà. Le croc de bête, parce que bon, le croc de bête, il fait quoi? Il augmente un peu ma... J'arrive pas à voir s'il augmente... Enfin, l'icône, je vois pas à quoi ça ressemble, c'est pas grave. Mais il baisse de 10% mon bouclier, donc ça m'intéresse pas. Donc ça dégage. Juste une dernière chose, par contre, juste avant de se quitter, là, c'est vraiment le dernier truc. Hein. J'arrête pas de dire qu'on va se quitter, au final, je repousse. Voilà, juste voir si au final j'ai pas déclin impossible. Je sais pas ce qui signifie, enfin ce qu'ils veulent dire par déclin. Je peux pas mourir, enfin bref. Je ne sais point. Ouais, non, j'ai rien d'intéressant hein, pour m'équiper là en tout cas. Du coup, les gens, on va enfin, j'ai envie de dire parce que j'ai pris du temps pour rien. On va enfin s'arrêter là. Prochaine vidéo, le boss de la tour, forcément. On passera aussi du temps à s'occuper un peu d'Elena, histoire de booster un peu son social link. Hors vidéo, moi je pense que je vais vraiment commencer à faire des trucs, parce que j'avais rien fait hors vidéo en fait, hein, que je vous l'explique. J'ai encore rien fait, parce que j'avais pas trop le temps. Et je tiens aussi à m'excuser pour la vidéo d'avant, parce que la vidéo d'avant, faut savoir une chose. C'est que sur Deli, elle a eu un problème. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut pas la rader en HQ, la HQ est disponible. La conversion en enfin l'encodage en HQ c'est fait, il est à 100%, mais il ne s'est jamais validé, du coup la vidéo avant celle-là n'est pas disponible en HQ. Je n'ai aucune idée de pourquoi, donc je m'en excuse, vous devrez faire avec parce que j'ai essayé de la reuploader, ça marchait pas trop. Ça a bugué, ça m'a saoulé, donc bref, voilà. Donc exclusivement une vidéo en SD, hein, j'en suis désolé, c'est la vidéo avant celle-là, enfin bref. Donc moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis salut à tous et à la prochaine pour la prochaine vidéo de Pandora Tower. En espérant que pour le moment cette aventure vous plaise. Parce que c'est vrai qu'on peut ne pas accrocher, c'est un jeu. Il vaut mieux le faire soi-même que le regarder, mais bon. Certains peuvent quand même suivre, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis salut à tous, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!